Alors, je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de Mini. J'ai fait un Mini sur un week-end que nous avons fait avec mon mari en Bretagne. C'est vraiment un Mini tout simple, et assez costaud, mais vraiment tout simple. J'ai même pas fait de couverture plus rigide que les pages, parce que j'en avais pas trop envie en fait. J'ai voulu faire vraiment quelque chose comme un traveler en fait, voilà. Il n'y a pas d'annotation dessus, mais voilà, comme un traveler. Donc j'ai choisi le relier avec la bit hole, voilà. Ensuite, là c'est une petite fleur prima. Je l'ai fait avec la collection de primeurs French Riviera que j'avais depuis un petit moment et que je n'avais pas encore travaillé. Et franchement, c'était super sympa à faire. Je crois d'ailleurs qu'il me reste presque plus de papier du tout parce que c'était la collection 15-15. Donc l'album fait 16 par 16. Donc voilà, les petits chipboards, une petite fleur florilège. J'ai choisi de mettre ce ruban pour fermer. J'aime beaucoup ce petit ruban là. C'est vrai que j'ai tendance à le mettre assez souvent. Bon, j'ai mis des petits coins. Et voilà, donc tout ça, c'est simplement voilà la collection. Et puis la collection de chez Prima et puis du papier en fait uni Toga Umae. Donc voilà, c'est plusieurs petites pochettes. Là, il y a une petite languette. Une pochette ici. Hop, qui est coincée. Voilà, une photo. Moi, je pense que ce n'est pas les photos qui vous intéressent. Hein. C'est plus comment est bâti le mini. Donc voilà, j'ai fait des écarts aussi de taille de papier. J'aime bien. J'aime bien ce système là. Voilà cette petite pochette. J'ai mis plusieurs couleurs de bleu donc pour les fleurs florilèges. C'est vrai qu'à l'intérieur des albums, j'aime bien mettre des fleurs plates parce que ça évidemment ça prend moins de place. Là, c'est les stickers aussi qui étaient dans le pad. Là, on a une autre pochette. Alors, avec mon imprimante LG, c'est pareil, j'ai fait des formats un peu plus petits. Il est très agréable ce papier à travailler, j'ai trouvé. Il ne m'avait pas trop inspiré quand je l'avais reçu. Et vraiment là, quand on sait voilà, un petit week-end ou des vacances, je trouve qu'il est vraiment très sympa. Alors je ne sais plus c'est un mini de combien de photos, mais il y en a quand même pas mal. J'aurais pu en mettre plus. Comme là, vous voyez, j'ai encore une pochette de vide, mais je n'avais pas assez de photos. Donc j'aurais pu mettre plus de photos. Je ne vais pas vous détailler, vous voyez bien, voilà, c'est un bateau. Bon, bref. Hop, alors là, j'ai fait une petite sorte de fermeture à l'ancienne. Avec deux petites photos. Je fais ça après. Si vous ne connaissez pas le Morbihan, c'est vraiment très joli. Là, c'est la ville de Vannes. Faire des photos, c'est vraiment top. C'est un peu maison alsacienne, pas vraiment, mais bon, j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, c'est un album tout simple, mais du coup comme ça, mes photos, au moins si je veux les regarder, on a toujours tendance à faire plein de photos, les laisser soit dans l'appareil, sur la carte mémoire ou dans le téléphone. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage. Donc du coup, j'ai choisi d'essayer de faire tous mes albums que j'ai en retard. Ça va être quelque chose
C'est assez fastidieux, je pense, mais bon, je vais y arriver. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!